Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre-Louis Leroux qui est pianiste et on va voir aujourd'hui le rôle de la préparation mentale quand on est musicien. Salut Pierre-Louis, la forme, Salut ça va? Pierre. Ouais, ça va super. Super. Alors Pierre-Louis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, comment t'en es arrivé justement au piano? J'ai commencé le piano à travers mes parents qui étaient déjà musiciens et professeurs de musique. Dès le lycée, je savais que je voulais en faire mon métier et que j'allais en faire vraiment quelque chose de concret au niveau professionnel. Du coup, j'ai décidé en 2018 de présenter le Conservatoire national et supérieur de musique de Paris en piano. Donc, il faut savoir qu'on a trois tentatives, trois présentations au concours d'entrée. La première s'est très bien passée, ça se joue en deux tours. J'ai eu le premier tour et le deuxième n'était pas, je l'ai pas eu parce que c'était pas suffisant. Et le deuxième, j'ai eu un trou de mémoire. Et donc, du coup, là, il y a eu de gros, gros questionnements. C'était gestion du stress. Et du coup, au niveau mental, surtout, pourquoi est-ce que j'ai eu ce trou de mémoire à ce moment-là? Et je voulais mettre toutes les chances de mon côté à la troisième tentative, donc qui a eu lieu cette année, pour pouvoir mettre, enfin, voilà, de pouvoir rentrer et d'avoir vraiment un autre état d'esprit, en fait, au moment du concours. Quand tu joues, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pianiste quand tu es en train de jouer en concours? En fait, le fait de faire une préparation mentale qui est destinée aux sportifs à la base et aux entrepreneurs, ça m'a permis, je pense, de vraiment faire la comparaison qui est pour moi très similaire entre la façon de se préparer, de contrôler son stress, de contrôler ses émotions et voilà, de qu'est-ce qu'on pense par exemple, parce que tu vois, avant je me disais ouais, j'ai fait une fausse note, ouais, c'était nul. Et puis alors, des fois, tu penses à ce que tu vas manger à midi quand tu travailles, quand tu es en entraînement, et là ça va pas, enfin, ou alors tu dépolarises le fait de penser à manger des patates à midi. Mais du coup, ouais, il y a plein de pensées qui sont à la fois positives et négatives, et du coup, il fallait faire bah, justement équilibrer tout ça. D'ailleurs, les pensées qui arrivent, ça peut coincer au niveau du piano et ça peut provoquer un trou de mémoire parce que du coup, on pense pas à ce qu'on joue. Ok, parce que le but quand tu es dans le piano, c'est quoi? C'est de penser à quelque chose en particulier, c'est de pas penser, Il y a c'est de plusieurs délibérer. écoles. Il y a ceux qui jouent sans penser et qui laissent la musique filer. Il y a ceux qui pensent à la moindre note, à comment on va timbrer telle note, comment on va mettre en avant tel passage. De passer par l'Académie de haute performance, ça t'a permis quoi dans ton jeu, dans tes... J'avais plusieurs blocages, notamment le regard des autres, de me dire, ok, lui il pense ça de mon jeu, du coup il va falloir que je fasse ça en fonction, notamment bah, par rapport à mes parents qui étaient déjà musiciens, j'étais dans une famille de musiciens. Il y a eu déjà des interviews sur les familles de sportifs. Et justement, comment est-ce qu'on se place par rapport à ça? C'est toujours une question assez délicate. Et la dépolarisation m'a permis de justement prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et de, voilà, de jouer comme je suis. Et je pense que c'est vraiment très important. Par ailleurs, dans mon jeu aussi, ça a développé beaucoup de facilité technique. De me dire, OK, là, j'ai fait une fausse note, c'est pas grave. Et puis, en fait, de prendre un certain recul et de me dépasser tout simplement, d'être vraiment en mode ok, je joue et puis si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien, mais je joue ok avec ça, il n'y a aucun souci. Et puis du coup, bah, ça permet de justement fluidifier voilà, le jeu. Puis au niveau mental, alors du coup, là, ça m'a complètement débloqué parce que j'arrivais avec certaines appréhensions avant au concours, que ce soit le CNSM ou d'autres. Sur la peur, notamment la gestion de la peur d'échouer, la peur du stress, la peur de faire une fausse note, etc. Et là, j'y suis allé cette année. En fait, j'ai joué, je pense, vraiment mon meilleur jeu. J'étais vraiment à fond, j'étais bien, j'étais bien. Voilà, donc ça me permet ça. Et humainement parlant aussi, ça ouvre beaucoup parce qu'on a bah, tout l'aspect coaching de groupe que moi j'ai fait avec les sportifs et d'un point de vue musical. D'avoir vraiment l'aspect à la fois performant, de se rendre compte que les blocages auxquels sont confrontés les sportifs sont assez similaires à ceux des musiciens. Et voilà, c'était beaucoup, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup de gratitude envers ce programme. Bah ça c'est cool. Et du coup, si on rentre pour toi maintenant qui a vu aussi l'aspect sportif et du coup qui vient du monde de la musique, quel est pour toi le point commun, justement les points communs entre un sportif et un musicien? Alors, les points communs entre un sportif et un musicien, je pense que même si beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de musiciens me diront, oui, non, la musique, c'est de la musique, mais la musique, c'est aussi de la performance, parce qu'il faut savoir être prêt à n'importe quel moment. On joue souvent le soir pour les concerts.
c'est des heures à laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. Normalement, les gens y rentrent du travail, le corps humain n'est pas vraiment fait pour ça. Et savoir être prêt à de jouer à n'importe quel moment, et c'est un peu comme les sportifs, tu vois, quand ils vont aller faire des compètes internationales, et bah, s'ils font les JO à Tokyo ou quoi, tu vois, bah, là, tu es obligé d'être préparé à un décalage horaire. Je pense que déjà, c'est un gros, gros point commun. Avec la performance, le fait de performer, il faut être au son meilleur niveau un instant T, et ça c'est très difficile. Je pense que ça, et puis le travail, je pense que le travail au niveau autant qu'un sportif qu'un musicien, il a besoin de beaucoup d'entraînement pour rester à son niveau et puis pour se dépasser derrière avec des bases techniques solides. Et ça passe pour n'importe quel domaine, mais c'est aussi très présent et c'est un très gros point commun entre sportif et musicien. Et justement, sur le travail, toi, aujourd'hui, tu t'entraînes combien de fois par semaine, combien de fois par semaine, ou par jour peut-être même ? Alors, les premières années du concours, les deux premières années, j'étais à 8-10 heures par jour. Ça a été une grosse erreur, parce qu'en fait, je me tuais à la tâche et j'arrivais au concours, j'étais lessivé, fatigué. Et du coup, cette année, je me suis fait des journées à, allez, on va dire 6 heures en moyenne. Il y avait des journées où je faisais plus, tu vois, je travaillais 8 heures et j'étais là, je suis OK. Et il y a des journées où je travaillais 4 heures, 3 heures, 2 heures. Ça dépendait en fait de mon espace mental. Ouais. Je me suis dit, OK, c'est pas grave si je travaille que 2 heures, mais si je travaille super bien pendant 2 heures, c'est mieux que de travailler 10 heures super mal. Et puis derrière, j'ai 8 heures où je peux écouter de la musique, je peux me former, je peux apprendre à écouter de la musique, comme tu as dit. Mais voilà, travailler mon mental, enfin, voilà, c'est super important. Et c'est un côté qu'on néglige aussi, c'est trouver un juste équilibre. Ouais, c'est clair. Et en fait, là, tu parles de ça, ça me fait juste écho à une séance que j'ai eue cet après-midi avec une athlète qui prépare des championnats du monde dans 4-5 mois. Et du coup, elle disait, waouh, ce qui va changer par avant, c'est qu'avant, je m'entraînais deux fois par jour, 5 à 6 jours sur 7. Et là, ce qui va changer, c'est que je vais m'autoriser plusieurs fois maintenant à m'entraîner qu'une fois par jour parce que je sens que je m'entraînais plus des fois par peur de ne pas être à la hauteur. Que réellement parce que j'avais envie, et ça change tout. Ça, dans le programme, on peut voir qu'il y a plein d'athlètes qui sont passés de 2 entraînements par jour à 1 entraînement par jour et qui ont des résultats qui sont meilleurs alors qu'ils s'entraînent moins. Et là, ça vient vraiment casser une chose. Il faut s'entraîner énormément alors qu'à un moment donné, quand tu as un certain niveau, après, quand tu t'entraînes trop, ça peut vite être contre-productif. Ce serait quoi le conseil, tu vois, pour, mettons, si demain j'ai envie d'aller voir m'initier à aller écouter de la musique d'un pianiste pour une soirée, tu me conseillerais quelle intention pour y aller et pour profiter un maximum de ce que le musicien a à partager ? C'est une excellente question, ça. Déjà, je m'informerai sur les œuvres qui vont être jouées par rapport au programme, d'avoir vraiment déjà ce que tu vas écouter en tête, de se dire « Ok, je vais écouter tel type de musique », parce que des fois, en fait, il faut accueillir la musique, il faut être à l'écoute quand tu es en tant qu'auditeur. Et puis, il y a des fois, tu rentres du travail, tu fais « Je me pose, j'ai juste envie d'écouter la musique, mais j'ai pas envie de faire attention. » Et puis, des fois, tu vas, c'est quand tu mets ton casque, tu écoutes la musique et puis tu vas choisir ta musique. Tu vas dire « Ok, j'écoute ça, j'adore ça, je vais mettre ça. » Parce que ça va me remonter le moral, etc. Là, tu vas à un concert, tu as un programme qui est fixé, tu peux pas choisir. Et donc, je pense que l'état d'esprit avant d'aller à un concert, c'est vraiment de se dire « Ok, je vais écouter tel type de musique, je vais mettre dans telle ambiance. » Tu peux, je pense que c'est bien aussi de revisualiser historiquement parlant où on est. Parce que entre 2020 et 1750, il y a quand même un petit bout de chemin. Donc, c'est des choses que je fais quand je vais écouter des concerts. Et toi, comment tu définirais ce qui va créer la performance chez un musicien ? Il y a quelque chose qui se passe quand on joue de la musique et qu'on... Il y a une espèce d'état de transe, déjà, de une. Tu te dépasses techniquement, enfin, tous tes traits sont... Les traits, c'est quand on enchaîne des notes, je préfère le préciser. C'est quand on enchaîne des plein de notes d'un coup et que c'est super dur, les gammes, les arpèges, etc. Et que tu passes tous tes traits nickel, chrome, hyper propre, tout ça, pour moi, ça fait partie de la performance. Et il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'invisible. C'est la sensation de facilité, de simplicité. Tu vas écouter un pianiste, tu vas pas te dire que c'est dur, tu vas dire waouh, c'est génial. Et t'as l'impression qu'il joue simplement alors qu'il y a plein de notes, que c'est hyper difficile. Pour moi, c'est ça la performance. C'est arriver à transcender l'œuvre que je vais jouer. Là, si tu devais me partager quelque chose, que ce soit que tu as appris avec nous, ou autre chose qui te fait plaisir de partager aux gens qui regardent cette interview, qui ont envie de performer peut-être, que ce soit en musique, en sport, ou en tant qu'artiste, ce serait quoi
conseils peut-être que tu aimerais leur donner? Je pense qu'en tant que musicien, la préparation mentale, je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance. C'est quelque chose qu'on néglige énormément. D'un point de vue psychologique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a pas mal de musiciens qui sont sujets à des tendinites, des problèmes au niveau du corps. C'est aussi un point commun avec les sportifs. Mmh. Et en fait, la question qui se pose, c'est comment je vais guérir. Et la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai des tendinites? Pourquoi est-ce que mon corps, il me dit stop? Et généralement, ce n'est pas au niveau du corps que ça se passe, mais c'est au niveau de la tête. Et voilà, je pense que les personnes qui ont mon âge ou qui préparent les concours comme moi, il ne faut pas qu'ils négligent tout cet aspect mental, parce que ça peut les desservir, tout simplement. Ok, bah super. Écoute, Pierre-Louis, est-ce que les gens qui regardent cette vidéo peuvent te suivre quelque part? Des vidéos? Ouais, ils peuvent me suivre sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pierre-Louis Leroux, ils trouveront. Okay, ils peuvent s'abonner cool. s'ils veulent. Non, on va le mettre il y aura en des dessous. Vidéos à venir, il y aura des vidéos à venir plus tard. Ça marche, on mettra le lien en dessous de cette vidéo. Bah, pour ceux c'est qui super. Regardent cette vidéo, allez dans le lien en dessous de la chaîne de Pierre-Louis. Pensez à vous abonner à la chaîne et dites-moi ce que vous avez. Si vous avez des questions pour Pierre-Louis, si vous avez d'autres questions comme ça, bah, mettez-les en commentaire, ce sera un plaisir qu'on y répondra. Voilà, bah, écoute Pierre-Louis, je te remercie. Merci pour ce partage. Merci à toi. Puis je te dis à très vite. À très vite, yes.